On a un nouveau chantier aujourd'hui, déménagement, donc on a déménagé, je crois que c'est un mec qui l'a fait faillite, enfin je sais pas trop, en tout cas il déménage, il a une big baraque et maintenant il se retrouve dans une maison un peu plus modeste, mais faut qu'on aille le déménager, il nous a fait appel aujourd'hui au meilleur déménageur de la région, c'est-à-dire Aaron et moi, mais Aaron je sais pas où il est passé. Noah ! Ouais ! J'ai un gars, attention, très noble à aller déménager, donc il faut qu'on prenne soin de tout ce qu'on fait. Ouais, du coup, j'ai même pas eu le temps de finir mon petit déjeuner là. Ouais, mais c'est pas grave. Écoute, la mission qu'on a là va nous rapporter gros. En gros, c'est un mec, il a fait faillite et là, il déménage de maison. Donc, faut qu'on aille le déménager. Il lui reste, je crois, deux véhicules et quelques cartons à faire, mais il nous a fait appel quand même. Parce qu'il n'y a plus personne aujourd'hui. On prend le camion ici et tu prends le Volvo à côté. Parce qu'il m'a dit qu'il avait tout mis sur palette, donc on a de quoi faire avec le Clark. Donc charge le Clark sur la plateforme, ça va. Il est où? Il est dans le hangar, le Clark. Ah, il est pas là-bas, ok. Bah non, ah, il est dans son hangar, si on l'avait regardé là. Ça va? Bon, je pense qu'avec ça, on devrait avoir assez. Hein. Oui, mais avec ça, on devrait avoir assez. Ouais. Tout est propre. Allez, nickel, on y va. Ouais. Hop. Ah merde, je me suis mis devant lui. Bon, ça va, il va me suivre, hein, c'est pas grave. Je vais attendre qu'il charge le Clark, comme ça, vu que lui, il connaît pas la route. Hop. Tiens, je me demande si je vais pas prendre le diable avec aussi, tiens, moi. Je vais quand même regarder si je vais pas prendre le diable. Alors... Oui, allez, je vais le prendre. On en aura sûrement besoin. Bon, normalement c'est ici à gauche, ouais, il y a quand même une belle baraque, hein, on va pas se le cacher, je sais vraiment. Bah normalement ouais, c'est parce qu'il a fait faillite, il a plus de quoi la payer, j'en sais rien, il va m'espiser, j'en ai aucune idée. Il est déjà tout préparé, donc normalement ça doit être ça. Ah bah l'œuvre là. Hop. Bonjour monsieur. Bah même pas un bonjour. Vous avez vu l'heure? Ah je suis à l'heure, comme convenu. Vous pouvez me donner l'heure? Quelle heure il est là? 9h-4. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et le rendez-vous était à... J'en sais rien, moi je suis là à l'heure, frère. J'ai 15 minutes de retard. Faut pas commencer à me les soulever, sinon ça va être vite réglé cette histoire. J'espère au moins qu'il y aura un dédommagement. Et c'est quoi votre histoire là? Pourquoi vous quittez une aussi belle maison? Il faut que je change, j'en ai marre d'être ici. Comment ça, vous en avez marre? Bon, il y a les deux véhicules à déménager. Et c'est parce que vous m'avez dit au téléphone, vous m'avez dit que vous avez fait faillite. Bon, on peut commencer? Ah, ok, il veut pas... monsieur ne veut pas en parler. Et faites attention, c'est fragile. Vas-y, vas-y. Ouais, tu me laisses faire le Clark? Bah vas-y, tiens. Ouais, merci. Faut tout charger là, mais vous m'avez mis les télés n'importe comment là. Déjà, le gars il monte dans notre camion sans aucune permission. Bref. Hein, monsieur, vous m'avez mis les télés n'importe comment là? Non, non, tout est bien mis. Noah, faut que tu t'occupes des véhicules, mais vas-y doucement parce que. Vas-y doucement quoi. Ouais, je les mets sur. Sur ton plateau, essaye d'en mettre un sur ton plateau. Ça va? Yes. Ouais. Je vais mettre les palettes dans le mien ici. Et faites vite, il y a un horaire à respecter. Il y a, écoutez monsieur, hein. On va pas aller plus vite que l'éclair, hein. Bah pas sympathique pour un clown monsieur, hein. On va quand même éviter de foutre ses canapés en l'air et son setup et sa télé et tout, parce que sinon ça va être encore plus galère. Mais bon, j'ai l'habitude de ces clients là, de toute façon ils me payent bien. Je lui ai donné un devis, il y avait pas de soucis. Moi peu importe qu'il soit gentil, qu'il me fasse chier, le moment que le boulot est fait et que je suis payé à la fin, ça me va. Voilà. Ouais, Noah. Ouais. C'est quoi son bordel là? Ah, je sais pas, c'est un. Oula. Pourquoi il y a un canapé? Alors, le gars, en fait, c'est pour ça qu'il achète autant de canapés. Il met des canapés devant sur des moteurs. C'est peut-être son kiff, hein. Je pense que c'est ça. J'ai envie de te dire, hein. C'est lui qui. Il a dit, ouais, on prend notre temps. Bon, on s'en fout, nous, on est payé à l'heure. Ah, oh, oui, bah oui, on peut prendre notre temps. Bah non, lui, il a dit de se dépêcher, justement. Moi, je prends mon temps. Oui, c'est pour ça. Bon, moi j'ai encore... Putain, mais il a combien de canapés, le gars? C'est bon. Il a encore deux canapés. Et vous faites quoi? Vous faites la collection des canapés, monsieur? Non, mais j'ai une grande maison. Ah, d'accord. Mais pourquoi vous voulez pas me dire ce que vous m'avez dit au téléphone?
Vous avez fait faillite et là vous me dites non, je veux juste changer. Bah, peut-être que ce sont mes affaires qui ne vous regardent pas. C'est quoi votre bordel là de canapé bah, à moteur là? Bah, est-ce que je vous ai demandé de poser des questions? Non. Bah, j'aimerais savoir comment ça se conduit. On quoi. Vous demande ce que vous faites de beau dans la vie, qu'est-ce qui s'est passé pour vous en arriver à déménager et tout, et regardez comment pour vous le parlez. Démarrer et conduire, c'est avec les pieds et votre main gauche. C'est tout. Okay. Ça va pas être trop compliqué. Et qu'est-ce que j'allais dire? Parce que c'est. Oula, va doucement, il va vous le foutre en l'air. C'est votre ouvrier ça? Ouais, mais des fois il a des petits soucis de compréhension. Hein. Faut faire attention. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des gens dans une aussi belle maison la quitter, quoi, c'est juste pour ça. Non, mais je préfère les maisons un petit peu plus rustiques. Ah, d'accord. Ça coûte moins cher à entretenir. Ouais, je me doute. Qu'est-ce que j'allais dire, c'est tout? Non, non, il reste encore de l'autre côté. Ah, beaucoup ou pas? Oui, un petit peu. Ok, bah on va déplacer le camion alors. Nickel, hein, pour le moment, non, tout se passe bien, c'est nickel. Et faites attention, c'est fragile. Hop, j'y vais tout doucement, vous inquiétez pas. Tu veux que je te déplace le camion? Ouais, je veux bien. Ouais, bon, c'est bon, tu peux fermer la porte ouais. Comme ça, la porte coulissante, comme ça, c'est bon. Vous avez l'adresse normalement? Oui, j'ai l'adresse. Tu laisses le clerc ici? Quoi? Tu laisses le clerc ici pour l'instant? Bah de toute façon il va falloir revenir le chercher, donc c'est toi qui va venir avec la plateforme. Ouais. Ça va? Bon, on en va pas. Il y a le tire-pal à charger, attends. Ouais, il y a juste le tire-pal et faites le... Faites attention dans le camion, c'est fragile. Ouais, on est doucement, tout est sanglé, vous avez bien emballé, il n'y a pas de problème. J'ai l'adresse sur le téléphone, là ils me disent 20 minutes. C'est ça? On D'accord. est dans les temps, c'est la bonne adresse? Bah on va être 5 minutes en retard, mais bon, on va oui, pas bah ça va compte. Le faire. Ok, bah je vous retrouve là-bas, ça va? Vous avez un moyen de locomotion en fait pour y aller ou? Je vais voir ça, s'il me reste encore un véhicule ici. Non, j'ai encore de la place dans mon camion. Bah attendez, je vais monter. Ok. Je vais venir avec vous. Ah, attendez. Quoi? J'ai un véhicule, j'ai un rendez-vous auquel je dois aller juste après, donc je vais y aller. Ah, vous avez un collègue qui passe vous chercher? Ouais. Ok, ça va. J'ai un rendez-vous professionnel après. Ah, d'accord, ok, bah ça va. Bah on se retrouve chez vous, non? Ah oui, tout à l'heure. Vous venez ou parce que moi si je sais pas, il y a. Je vais vous suivre, je vais pas être loin derrière. Ah ok, il parce que. Non mais ça va, parce que juste que s'il y a une entrée, un grillage à ouvrir ou quoi, qu'on est ce qu'il faut quoi. Non, vous verrez, tout est indiqué. Ok, ça va. Bon, elle est normalement 20 minutes de route, voilà, 20 minutes comme prévu sur le. Comme prévu sur le téléphone, c'est bon sur le GPS, donc on doit être à la bonne adresse. Oh là là, ça se passe plutôt bien. Bon, c'est des journées tranquilles. Aujourd'hui, c'est une journée tranquille. En plus, c'est vraiment un beau contrat, donc on est vraiment bien. Et bon, Noah travaille à peu près bien, hein, on va dire. Qu'est-ce qu'il fait lui avec sa Lamborghini là derrière moi là? Il joue à quoi là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est vraiment la merde le gars derrière. Mais non mais c'est trop frère. Putain, l'autre il râlait déjà qu'on était en retard. Oh là 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 là. Il m'a enfoncé tout le côté droit du camion le con. Et ça va pas à votre tête? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est vous qui roulez, vous roulez mal? Vous me coupez la route? Ah bah pardon monsieur, vous roulez dans l'air. Je n'ai jamais vu une mauvaise foi aussi grande que celle-là. Voilà, c'est la première fois que ça m'arrive. Vous êtes devant moi avec votre taco là. Donc moi je prends mon rond-point tranquillement avec mon camion. Vous me collez derrière et en plus vous loupez la sortie, vous me tapez dans la porte de droite. Non bah attends. Je ne loupe pas la sortie. Vous loupez la sortie. Vous traînez devant moi? Ah bah. Rien à foutre de ça, rien à foutre. Moi je traîne pas, je suis dans mon droit, je prends la sortie. Que vous le vouliez ou non. Une limitation minimum à respecter, vous l'avez pas respecté. Oh, il est enfoncé. Et vous savez ce qu'on transporte là-dedans? On transporte des télés, on transporte des canapés, on transporte de l'informatique, c'est des trucs fragiles. Mais qu'est-ce que tu me saoules avec ta télé? T'as, je sais pas quoi, t'as eu ma Lamborghini, moi, comment qu'elle est à cause de toi? Mais j'en ai rien à foutre de ta Lamborghini, moi, c'est pas mon travail, c'est de ta faute qu'on en est là maintenant. Eh ben moi je m'en. Constant, hein. Voilà. Je m'en fous de ton camion avec tes lubricants. Moi maintenant, je suis en plein déménagement, qu'est-ce que je vais dire moi au client? Mais je m'en fous de ton déménagement, tu comprends pas ça? Attends, je vais. Ouvre le haillon de derrière. Qu'on regarde, Noah. Non mais sérieusement, vous le faites exprès, allez quoi. Un peu de bonne volonté de votre part, hein, ce serait pas. Mais c'est vous qui roulez pas un rond-point, vous me voyez arriver, vous êtes à 2 à l'heure le rond-point. 2 à l'heure, ah ben c'est normal, je transporte des trucs fragiles, voilà, comme je vous l'ai dit. C'est écrit où fragile ce camion? Nulle part? Ce n'est pas écrit, de toute façon, que ce soit écrit ou pas, il faut que vous fassiez attention, vous foncez pas dans les gens qui n'y a pas écrit fragile, hein. Eh ben, c'est dans ce cas-là, vous me voyez arriver, vous me déboulez pas devant le nez. Voilà.
Ouais. Voilà, voilà. Écran PC foutu, télé à côté foutu, canapé déchiré, l'autre télé fissuré. Super, je suis content. Et ma Lambo, vous connaissez comment elle est ? Rien à foutre. Alors, s'il y a bien quelque chose que j'en ai rien à foutre, c'est bien votre Lamborghini. Ouais. Eh ben, je dis pas avec ton PC de merde. Ah non, bah non, télé, parce là. Que moi je travaille, moi je fais pas des tours de rond-point pour faire du drift pour rien. À part pour faire chier les gens. Mais quoi. Moi aussi je travaille. Oui, moi oui. Aussi. Ah, oui, oui, super travail. Oui. Eh ben oui, eh ben chacun le sien. Si le vôtre vous plaît pas, c'est votre problème, c'est pas le mien. Bon, on c'est va pas. Testeur de voiture. Ah voilà. Ah, ah voilà. C'est interdit testeur sur de voiture. Route testeur de voiture et le mec fait des drifts dans des ronds-points. Super test, hein. Eh bah oui, sauf que j'ai pas imaginé qu'il y ait deux clans pas qui allaient dans le milieu rond-point à part avancer. Bon, ce qu'on va faire, parce que vous m'avez l'air un peu perturbé mentalement, on peut. Vous allez rester là, moi j'ai ma mission à finir, j'ai encore 10 minutes de route. Voilà. Il faut absolument que je livre ça, sinon je vais me faire taper sur les doigts et on fait un constat juste après, si vous voulez. De toute façon, vous n'êtes pas déménageur, vous, ça m'étonnerait. Bah bien sûr que si. Vous avez vu vos bras ? Y'a rien en muscle. On a des diables, on a des Clark, on a des nacelles, on a tout quoi. Ah ouais, super, déménageur mauviette, super. Bon, il va ouais, pas. Je vais chercher là. Viens, il faut que tu me ramènes au dépôt. Restez là. Non, bougez pas, c'est bon. Restez. Ça roule. Oh. Et j'en ai rien à foutre que ça roule et mon bon, camion et mon déménagement. Note la plaque, hein. Regarde ce con là. C'est bon. Regarde ce con là. Une photo de toute façon. Qu'est-ce que j'allais dire ? Ramène-moi au dépôt et on reprend. Moi je reprends la X5 avec le plateau derrière et on va se démerder à recharger ce qu'il y a, hein, tant pis, hein. T'as vu sa plaque ? Quoi ? Non ? Marqué Lucifer dessus. Ouais, merci. Ouais, de rien. J'y retourne, moi, ou... Ouais, t'y retournes. Bah, tu vois où il y a le camion. Je vais prendre le Clark en passant. Tiens, je vais en profiter que j'ai le plateau. Comme ça, bah, de toute façon, on en aura besoin pour décharger, recharger. Fais-moi juste le tri des palettes qui sont achetées. Enfin, ça sert à rien qu'on déménage, qui sont foutus, quoi. Ça va ? Ouais, bah, j'y vais. Ok, bah nickel. Merci. Ouais. Ouais, de rien. Oh merde, fallait que ça arrive. Hein. Bah, le client là, mon pote, il va pas être content quand il va voir ça. Hein. Ça c'est ok. Bah, je vais prendre le plateau qui est derrière du coup. Ah, j'ai fermé les portes en plus. Oh là 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 là. Ah, on va perdre une avant-midi complète là-dessus alors que finalement il y avait rien grand chose à déménager. Voilà. C'est un peu chier quoi. C'est un peu chier tout ça. Surtout que le gars s'est barré comme ça, mais il va pas s'en tirer comme ça. Hein. Le mec s'est barré au calme comme ça. Sans aucune politesse, rien du tout. Le mec, oh bah c'est bon là, l'embout il roule, bah je me barre. Bah super frère, super. Je m'arrête au milieu de la route, de toute façon, bah y a pas grand monde. Je vais vite fait charger le Clark. J'espère vraiment qu'il n'y a pas trop acheté parce que sinon... Je vais me faire engueuler par le client. Bon, de toute façon, quoi que j'ai beau me faire engueuler, c'est pas de ma faute. S'il y a un con qui fait des tours de rond-point, des drifts sur un rond-point, comme ça, en plein milieu de la journée, genre, c'est pas trop de ma faute, quoi. Ah, je l'ai pas vu quand je suis arrivé, il est où ? Aon ? Noah ? Ouais. Ah, ça va ? Ouais, c'est bon, le tri. Bon, t'as tout trié, ouais ? Ouais. Quoi ? Ah oui. Oh ah oui, en fait, il y a même pas besoin de demander qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. C'est vrai qu'ils l'ont bien pété la purée. Bah en fait, je pense que ça s'est secoué, tapé entre et du coup Ah bah il a perdu un écran plat, il a perdu deux canapes, il a perdu une télé et là derrière, c'est quoi ? Ah ouais, c'est tout son mobilier. Ça. Ouais. Ah bah là, on est pas dans la merde. Bah je vais recharger ça sur la de toute façon, c'est pareil hein, le camion on peut encore rouler avec, c'est pas ça mais Bah de toute façon faut l'amener au réparateur, t'as vu la bosse qu'il y a sur le côté droit, ça fait pas sérieux quand même. Hein. Ouais. Bah ouais. Écoute ouais, je vais décharger le Clark et on va charger ça, hein, tranquillou. Yes. Ouais vas-y, fais au diable aussi. Ouais. Fais gaffe parce que la rampe c'est chaud à monter, hein, tu vraiment fais gaffe. Ouais t'inquiète. Au pire tu me les mets juste devant, je les reprends. Bon on a fini de tout recharger, impeccable. Il nous reste plus que 10 minutes de route, on est bientôt là de toute façon. Par contre, je sais pas ce que je vais lui dire. Hein. Bon, je vais lui dire qu'on est. Enfin, de toute façon, je vais pas mentir. Hein. Je vais lui dire la vérité. Hein. Je vais pas commencer à raconter n'importe quoi. Hop. Alors, je sais pas si c'est par là. Le GPS, il m'emmène par là. Bon, là, il m'emmène au milieu de nulle part. Là, le GPS, je sais pas où il m'emmène, mais oh le stop, c'est pas grave.
Mais qu'est-ce qu'il me fait faire? Mais frère, il me recalcule la destination maintenant. Oh là 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 là. Ce GPS, franchement, j'aurais dû mettre directement Waze sur mon téléphone, ça aurait été plus rapide. Voilà, bon. Il me dit... Ok, c'est... Normalement, c'est la maison d'en face. Ah oui. Ah oui, d'accord, ça lui change quand même bien son décor. Bon, même si moi, je kifferais avoir cette maison-là, mais... ça lui change quand même bien son décor. Mettre dans l'allée, hein, je sais pas si je peux me mettre, mais de toute façon, on n'en a pas pour longtemps. Voilà. Il y a quelqu'un... Monsieur ! Nous voilà ! Vous êtes enfin arrivé ? Ouais, on a, alors on a eu un petit souci. Bah, vous avez fait un détour ? Non, on a eu un accident. Parce que je suis quand même parti après, je suis on a eu un accident ! Comment ça, un accident ? Une Lamborghini nous est rentrée dedans à la sortie du rond-point. Mais je n'ai rien à faire de qu'est-ce qui vous a foncé dedans, bon. Est-ce que ce que j'avais est bon ? Ah non ! Enfin, il manque la moitié, quoi. Vous, c'est une blague ? Non, alors vos véhicules sont toujours là, ça y a pas j'avais, de problème. Attends, j'avais trois fauteuils. Oui. J'en ai plus bah, qu'un. En fait, j'avais deux télé. Ce n'est pas de ma faute. Qu'une. Excusez-moi si on a eu un accident, que le gars est en tort et qu'il nous est rentré dedans. Vous voulez que je vous dise quoi, j'avais, moi j'ai contre... trois palettes. J'avais quand même trois palettes mais de gars, vêtements. Il me reste combien? Une seule. Ah, on prend le. Putain, on a pas. Non, on a... Ah, on a... Il y a pas trois vêtements. Il y a que deux. Il y en avait qu'une. On a vérifié ça. Ah, on faut qu'on retourne chercher le Clark. On l'a oublié. Oh merde! Purée, c'est pas possible, bah, faut assurer. Vas-y, retourne-y à pied, faut qu'on décharge parce que j'en peux plus de ce gars-là. Ouais, je vous explique par A plus B qu'on a eu un accident. Non, avez... Mais c'est... est-ce que c'est de ma faute? L'accident? Mais est-ce que c'est de la mienne? Non plus! Non plus, quelqu'un bah, nous est rentré dedans! Et conduisez. C'est moi ou c'est vous? Mais oui, mais ce n'est pas. Et vous avez jamais. Vous, ça vous arrive jamais d'avoir un accident parce que quelqu'un vous rentre dedans et que ce n'est pas de votre faute. Bah, dans ce cas-là, j'aimerais bien avoir mon matériel. Mais votre matériel, ça sert plus à rien que vous l'ayez. Si vous voulez, je peux vous le. Attends. On va aller. Si vous voulez, on va sur l'île de l'accident, vous allez voir. Hein. Non, non, tout c'est est bon, en bouillie. Je vais appeler. Non, 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 c'est bon. Ah. Si vous voulez, vos écrans, ils sont. Vos écrans, ils sont fissurés en deux. Ah. Le gars, bah, il a fait le gars, il a fait 10 litres fit, on a eu le temps de prendre sa carte, j'ai encore été gentil, je suis venu avant d'aller déposer, d'aller au poste de police pour c'est regarder bien, pour la place. Vous avez mis la télé, mais il y a même plus le pied qui est dessus, donc c'est génial. Bah, il y avait plus que ça, moi j'ai pris ce qu'il y avait, mon ouvrier a fait un tri de ce qui était fissuré, ce qui allait, enfin pas ce qui allait parce qu'on ne les a pas démarrés, mais tout était fissuré de toute façon, votre setup laissait tomber la tour en 1000 morceaux, voilà quoi. Donc moi je peux pas faire des miracles, à partir du moment où il y a un con qui me rentre dedans, bah tant pis. Un fauteuil sans coussin, c'est un peu dur quand même. Donc, pour je le... vais au poste de police après, juste après. Je vais déposer plainte. J'ai sa plaque, il n'y a pas de souci. On va retrouver où il travaille. Et de toute façon, l'assurance va intervenir pour votre bien. Il n'y a pas de souci. C'est juste que bah, je peux pas faire de miracle. Voilà, j'ai eu un accident. Bon, vous me tenez au courant? Vous déchargez tout ça devant la maison? Ouais, on vous décharge ça ici devant là? Où ça? Non, de l'autre côté. Ah, bah, vous m'avez dit devant. Oui, ah, bah ça maison, va, devant. Ça vous dépayse pas tout le temps pour quelqu'un qui a fait faillite. Monsieur se reprend le luxe d'avoir une piscine. Bah, c'est le minimum pour les enfants. Même si je suis seul maintenant. Bah, on vous décharge ça où? Dans la piscine ou quoi? Non, non, ici. Ah, là. Ok. Ah, bah, je vous laisse ça. Vous me faites même pas une petite visite de votre nouvelle demeure? Allez, venez, entrez. Ah, franchement, déjà, pour un... moi j'aimerais bien. Vous voulez un café? Ouais, bah, je veux bien, ouais. Eh, j'aurais bien aimé, moi j'aimerais bien habiter là-dedans, hein. Vous faites genre que vous... Bon, hein, la petite cuisine. Ouais, très grande. Qui est vraiment petite. Très très grande cuisine pour moi. Moi j'ai deux fois moins. Le salon. Vous avez déjà une télé? Vous avez quatre télés en plus. Mais vous faites quoi? Vous faites la collection des télés? Regardez la taille. Ah vous voulez que je regarde quoi avec ça? Ah oui, mais c'est pas de ma faute si vous achetez un truc et que vous voulez changer deux mois après. Hein. Mais mon téléphone il est plus grand. Bon, ici c'est ma chambre, mais pas la peine de regarder trop longtemps. D'accord. Et... Ah, une belle douche. Une belle douche. Ah, mon coéquipier là. Ah bah franchement vous avez une belle maison monsieur hein. Ouais. C'est bon? Ouais j'ai vas-y on décharge ça, on décharge ça vite fait. Bon je vous laisse tout décharger, moi j'ai dû travailler. Ouais encore pas de soucis, pas de soucis. Ouais. On décharge ça vite fait et puis on s'en va. De toute façon après faut qu'on aille au bureau de police et faut que j'aille déposer plainte, que l'assurance intervienne aussi pour les dégâts de monsieur quoi. Ouais bah je t'envoie la photo de la plaque. Ouais bah de toute façon au pire tu viens avec moi hein. Je oui, désangle ça, tu décharges ça vite fait. Il faut les mettre alors. Suis-moi, il faut juste les mettre là derrière. Bah, sur devant sa porte de. Sa baie vitrée derrière, ça va? Ok.
Tu penses fais gaffe avec ça. Tu penses qu'il va pas m'en vouloir si je monte là-dedans? Bah moi je l'ai bien fait hein. Ouais mais... Bah fais gaffe par contre, accélère pas trop fort hein. Attends mais si je touche à peine... Oh voilà la 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 la. Ah oui mais ça rigole, mais à quoi ça lui sert ça? Mais en fait il peut se tuer en deux secondes. Je le laisse là, je bouge plus. Bah mais là les véhicules il m'a pas précisé mais mets le long. Comme ça c'est bon. Bah du coup je reprends le diable. On remet le Clark et puis c'est bon hein. Ouais, vu le genre de mec que c'est, t'as vu comment il répond hein. Oui, ouais, laisse tomber. Il doit sûrement avoir des idées bizarres dans sa tête. Bah du coup on va directement au poste de police du village. Ouais, je te suis. Ouais, ça marche, bah tu reprends le canon. Vas-y, bah charge le Clark, on s'en y va. Ferme ta porte. Ouais. Ah bah franchement, la journée d'aujourd'hui, Noah, elle est pas encore franchement sympa.